Voilà. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Alors, ce qui chauffe depuis la fin de la semaine dernière sur la toile, c'est là, on peut même dire depuis la semaine dernière, la fin de la semaine surpassée sur la toile, c'est la paix entre Fleur de Lys et Compressor. Donc, ça bouge de partout, ça parle de partout. Et aujourd'hui, je vais un peu essayer. J'avais dit ça l'autre jour que je devais parler de ça. Des conséquences de la paix entre Fleur de Lys et Compressor. Parce que forcément, quand deux dinosaures qui combattent, des dinosaures qui combattent plutôt, pardon, depuis des années, et qu'un jour on dit stop, on arrête, forcément, il y a des conséquences. Comme Fleur de Lys l'a dit dans son direct, il y a beaucoup de personnes qui ont bouffé le Ndiangui, ou bien qui se sont mêlées à ça, ou bien qui se sont vues être mêlées à ça, sans même le vouloir. Il y a aussi d'autres qui se sont mêlées à ça en le voulant. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, on va parler des conséquences de la paix entre Compressor et Fleur de Lys. Mais quand on dit conséquences, les gens ont souvent tendance à penser à la négativité. Les conséquences se donnent sur les deux points. Il y a les conséquences positives et les conséquences négatives. Donc pour l'instant, normalement, ce qu'on peut, si on veut relever, il va commencer par ce qui pourrait être négatif par rapport à ça. Avant de voir un peu, ça c'est selon mon point de vue. Hein. Ça veut dire que vous pouvez aussi donner vos points de vue en commentaire. Vous ignorez rien sur la méthode qu'on emploie chaque fois qu'on essaie d'être un peu objectif. Donc ça, selon mon point de vue, ce qu'on pourrait voir comme conséquence négative, conséquence négative, pardon, ça va se passer au niveau des relations qu'il y avait entre Compressor et Fleur de Lys. Donc des gens, des relations que Compressor avait certaines personnes qui n'aimaient pas ou bien qui combattaient aussi Fleur de Lys. Et des mêmes relations dans l'autre sens. Donc de certaines personnes qui étaient avec Fleur de Lys et qui n'étaient pas d'accord, par exemple, avec Compressor. Donc c'est ça, c'est le genre de relation là. Si ça s'est gâté, ça va être du côté négatif. Et s'il y a de la positivité après cette relation, c'est question, on va en parler. Bon, dans ce cas, jusqu'à présent, hein, pour dire vrai, il n'y a pas encore quelqu'un qui est véritablement sorti pour s'exprimer par rapport à ça. Donc pour dire, je suis avec Compressor, je ne comprends pas comment tu as pu accepter le pardon de Fleur de Lys, alors que toi-même tu connais ce que moi je pense de Fleur de Lys. Et toi tu es ma personne, je vais vivre ça comment? On a seulement vu les gens comme Simon de Londres sortir et s'agiter dans un seul sens, comme j'ai dit dans la vidéo que j'ai eu à faire hier. Et pour la veuve, je vous savez, ce n'est pas une affaire qu'elle était du côté de Compressor. C'est juste qu'elle, pour elle, c'est que ce soit Fleur de Lys ou pas, elle ne veut pas de paix à Facebook. Comme elle dit toujours, pas de paix à Facebook. Et j'ai décrypté aussi, j'ai mis la veuve Joyeuse à la barre par rapport à son pas de paix à Facebook, alors qu'elle a fait la paix avec les autres personnes. Donc, je vais un peu prendre quelques exemples aussi comme ça, parce que tellement les noms, s'il faut regarder les noms des personnes qui ont été impliquées, qui ne sont même plus dans le Japon, qui ne sont même plus sur la toile, qui regardent seulement à travers les fenêtres, ça sera très long. Donc, je vais prendre quelques exemples des personnes qui sont toujours sur la toile et qui, peut-être que du côté du, étaient avec, et sont avec Compressor et qui lançaient des pics à Fleur de Lys, ou bien qui lançaient des pics jusqu'au niveau de la paix à Fleur de Lys et qui continuent même toujours. Si je prends le cas, par exemple, de Tata Aline Zomoumbé. Tata Aline Zomoumbé, que Compressor appelle ma mère, toujours. Donc, tout ce que Fleur de Lys faisait, vous savez, Fleur de Lys et Tata Aline Zomoumbé, ils ne sont jamais entendus. Même quand ils ont eu à faire la paix, c'était une paix bracata. C'était juste pour jouer. Et ça a recommencé, ça a continué, quoi. Donc, tout ce que Fleur de Lys faisait par rapport à Tata Aline Zomoumbé,
Même si elle avait tort, qu'on puisse en sortir d'abord pour dire que je suis avec toi, tata, Aline Zoumoubé. Le cas le plus récent, c'était même l'affaire de Bobolo. Quand on était sorti, elle n'a pas condamné le fait que tata Aline Zoumoubé ait un peu peut-être marmaillé quelqu'un. Elle a commencé seulement à parler en fonction de ce que Floreline avait dit. Voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as fait, tu as mal fait comme ça, tu l'accuses comme ci, comme ça. Donc jusqu'à présent, à part si moi je n'ai pas vu, je n'ai pas encore vu quelque part où Tata Aline Zoumoubé a dit que le fait que Compressor ait fait la paix avec Fleur Delys, ça veut dire que Compressor et elle, c'est terminé. Jusqu'à présent, non. Tata Aline Zoumoubé, j'ai vu une vidéo où elle était en train de se moquer de la vidéo de Fleur Delys quand elle était en train de pleurer lorsqu'elle demandait pardon. Oui, Tata Aline Zoumoubé était en train de se moquer. Ça veut dire que son combat avec Fleur Delys, ses choses avec Fleur Delys, ça continue. Et je peux aussi vous dire, Tata Aline Zoumoubé et Fleur Delys que vous voyez là, ces deux personnes ne se détestent pas. Moi, je vous dis la vérité. Ces deux personnes, c'est la comédie qu'elles sont en train de faire sur la toile. Donc, si on prend par exemple ce cas-là, on voit que jusqu'à présent, il n'y a rien eu. Tata Aline Zoumoubé n'a pas encore dit sur la toile ou dit à Compressor, même par derrière, ce qu'on aurait su peut-être. Que voilà, je suis plus avec toi parce que tu avais Fleur Delys. Donc ça veut dire que Tata Aline Zoumoubé est en quelque sorte en train de respecter la paix que Compressor a fait avec Fleur Delys. Là, c'est son problème. Mais elle ne fait que enchaîner de ce côté-là. Attendez un peu, une minute. J'ai failli oublier quelque chose. Voilà. Maintenant. Ça, c'est le cas de Tata Aline Zoumoubé. Je vais prendre les exemples des personnes qu'on voit de temps en temps sur la toile, qui sont très récurrentes sur la toile. Si je prends le cas de Patricia Mel, qui a eu à faire des sorties dernièrement par rapport à Aïcha Sol et tout, elle est toujours là. Même quand elle ne fait pas des sorties, elle est toujours en train de commenter par-ci, par-là. Et dans les commentaires où elle parle chez les détracteurs de Fleur Delys, même quand on ne parle pas de Fleur Delys, elle vient avec le sujet de Fleur Delys. Toujours, elle dit quelque chose. Et elle ajoute Fleur de Lille, Mami Mboma, un truc qui a un rapport pour insulter Fleur de Lille. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Nous sommes souvent dans les directs ensemble, je vois ça. Donc, ça veut dire que, même récemment, voilà, en parlant de ça récemment, Nathalie Babalé, avant-hier, elle a fait un direct. Patricia Mel, quand elle est arrivée là-bas, elle a commencé à écrire des trucs par rapport à Fleur de Lille. Tout cas, Nathalie Babalé, quand elle lisait, nous tous, on pouvait comprendre. Ça veut dire que Patricia Mel aussi, il semblerait qu'elle respecte. Le fait que Compressor ait fait la paix avec Fleur Delys sans toutefois abandonner son combat avec Fleur Delys. Vous voyez un peu. Sans toutefois abandonner son combat avec Fleur Delys. Si on prend le cas de Nathalie Babalé, c'est bien vrai que l'autre jour, elle a lancé quelques piques à Compressor en disant comment quelqu'un vient pour faire ça, toi. Donc en fait, elle était en train de dire comment Compressor ne gère pas bien le truc, quoi. Et je crois qu'elle a aussi un peu parlé un peu de son affaire, de ni lit ni écrit, de manière métaphorique. Donc, je crois qu'elle a parlé un peu de ça. Je n'ai pas trop suivi. J'ai suivi juste une petite partie. C'était en quelque sorte les légères reproches, les reproches camouflés, en fait, envers Compressor, envers le comportement de Compressor, toujours par rapport à cette affaire. Donc, et dans les vidéos qui ont suivi, Nathalie Babala a dit qu'en fait, que Compressor continue son combat, arrête son combat avec Fleur Delys. Elle a seulement fait 1 an, 8 mois. Elle n'a pas encore fait 8 ans. Ça veut dire qu'elle a encore beaucoup d'années de combat. C'est ce que Nathalie Babala a dit. Donc, elle, de son côté aussi, elle est en train de respecter la paix de Compressor. Là, c'est son problème. Mais elle, son combat, elle, ce n'est pas fini. Maintenant, du côté de. Si je prends qui, je prends qui encore? Si je prends Lolo Fondja. Vous savez, Lolo Fondja. C'est bien vrai, elle n'a pas de problème avec Compressor, mais pour moi, les deux gens-là ont des problèmes. C'est juste qu'elles ne veulent pas parler. Personne ne veut attaquer l'autre. Il suffit de voir avant la paix entre Compressor et Fleur Delys. Avant cette paix, Compressor, quand elle a fini son opération, les sorties qu'elle a eu à faire, puisque c'était en rapport avec la présence de Lolo Fondja sur le plateau d'Aïcha Sol et tout, Compressor, quand elle est venue critiquer, sa mère est critiquée même, elle a fini avec Fleur Delys. Elle a enchaîné sur Lolo Fondja sans prononcer son nom, c'est vrai. Mais en disant, toi là, quand on a dit ça, qu'est-ce que tu as dit? Tu un peu, vous voyez un peu le genre. Parce que c'est Lolo Fondja qui était là-bas, elle n'a pas besoin de prononcer son nom. Elle a dit, quand on a dit ça, toi, tu t'es défendu. Est-ce que tu as défendu les blogueuses? Et par la suite, elle a continué toujours, je sais pas, à reprocher Lolo Fondja de manière violente pour dire que vous n'avez pas le niveau, que si c'était moi, voilà. Et on a toujours vu sur la toile ici, là, même Lolo Fondja. Elle a toujours envoyé souvent certaines légères piques
du côté du compresseur, dans son bavardage, en fonction de ce qui s'est passé sur la toile. Mais les deux ne sont jamais vraiment sortis pour dire, voilà, bon, pas jamais, il y a une fois ici, c'était pendant la période du Covid, je crois bien, les deux se sont mis en spectacle, jusqu'à ce que le compresseur a traité le lot fondateur. C'est quoi, avec les pantalons de Moriba. Donc les deux se sont un peu clashés. Et Lolo Fonja, clashé compresseur, c'était le tcha-tcha. Voilà, ça chauffait. La veuve, j'ai été en train de terminer compresseur, a fait des tcha-tcha. Achille en prison. Et il semble que c'est Lolo Fonja qui avait parlé, elle avait commenté ou un truc comme ça. C'est là où le compresseur s'est énervé, elle est sortie, elle a fait les trucs. Donc les deux sont légèrement mis en spectacle, après tout s'est arrangé. Mais les deux là, il y a toujours une tension. Parce que quand on dit qu'on est amis, comme vous voyez, la veuve, j'ai et Lolo Fonja actuellement là. Elle s'entendait bien. Lolo Fonja fait un direct. Quand elle veut parler de la veuve, elle dit la Warriors, c'est de l'autre côté, la du Warriors. La veuve, même quand elle parle de Lolo Fonja, elle dit Lolo Fonja, c'est ma personne. Mais tu vas jamais voir les deux personnes là dire que Compressor, c'est ma personne, machin. Non. Lolo Fonja parle souvent, prononce souvent le nom de Compressor en disant par exemple, quand j'étais dans la team de Compressor, c'est fini. C'est tout. Donc, quand vous voyez ça, vous sentez qu'il y a une sorte de tension que les deux là sont en train de ne pas vouloir sortir, quoi. C'est aussi une bonne chose. Donc, pour Lolo Fonja, je ne peux pas vraiment dire que c'est une amie de compression. C'est aussi là, comme ça, on peut dire qu'elles n'ont pas juste de problème. Hein. C'est tout. Bon. Voilà. S'il faut prendre maintenant le cas de Doudou Ngamba, que compression a toujours passé son temps à soutenir, et Doudou Ngamba a toujours passé son temps aussi à soutenir compression. Les derniers directs de Doudou Ngamba, pour vous dire vrai, je n'ai pas regardé, je n'ai pas écouté. Je crois qu'il y a mes collègues qui ont posté les dernières vidéos de Doudou Ngamba. Et je n'ai pas vu un titre quelque part qui tendait bien, qui avait un rapport avec l'appel là. Genre, je ne sais même pas si Doudou Ngamba a parlé de ça. Et si elle avait parlé de ça, forcément, on devait être au courant, même si les gens ne publiaient pas sur la toile. Les yeux que c'était en bracata. Comme la veuve, vous savez, elle écoute quelque chose quelque part, elle ne laisse pas. Et vous connaissez comment elle classe souvent Doudou Ngamba. C'est qu'elle sûre, elle devait. Si Doudou Ngamba avait dit qu'elle n'était pas d'accord avec ça, la veuve Joël devait parler, dit qu'elle était soutien, comme elle n'était pas aussi d'accord avec cette paix-là. Donc pour moi, Doudou Ngamba, forcément, actuellement, elle est en train de respecter aussi le choix de compresseur. Vous voyez un peu. Donc il y a tellement de noms. Le président Raymond Tchenga, lui, il n'est pas sur la toile et tout. Fleur de Lille a répondu. Elle a demandé pardon au président Raymond Tchenga. Si on veut parler des gens comme les qui, les mamans ministres, non, on ne sait pas. Simone de Londres a fait un direct l'autre jour. Il a dit qu'elle était internée actuellement. Donc, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a Alice la Merveilleuse, la fille Toastas de l'autre côté là-bas. Je n'ai pas vu ses posts. C'est comme si tout, depuis un bon bout de temps, elle n'est pas sur la toile. À part si c'est moi qui rate seulement ses posts dans mon fil d'actualité. Maintenant, si on part au niveau de la TKC, donc les soldats de compresseur, il y a deux TKC. Il y a deux soldats, oui. Il y a la TKC Mélodie du compresseur qui s'est rendue, qui a dit non. Fleur de Lys a demandé pardon à l'autre, à Gagou. C'est ça que nous on attendait. Ça veut dire que nous, Ma Pépé dit va, je vais. Donc, ces gens-là ont validé la paix. Maintenant, il y a une autre TKC, pardon, une autre TKC qui est dirigée par Fleur Adama. Je crois que c'est les Mamie Mboma. Carole Ladouce dit bon, tout ça là. Donc, l'autre jour, il y a eu un direct de Nathalie Babalé où Fleur Adama est intervenue à l'intérieur. Elle a déchiré Fleur de Lys. Ça veut dire que Compressor a fait sa paix avec Fleur de Lys. Elle respecte ça parce qu'elle n'a pas clashé Compressor. Mais elle continue ses choses qu'elle faisait avant par rapport à Fleur de Lys. Elle ne lâche pas. Donc, ce qui fait qu'actuellement, comme je vous ai dit, c'est un peu très difficile de parler des conséquences négatives par rapport à ça. Parce que jusqu'à présent, en dehors de Simone de Londres qui est sortie et dit qu'il n'était pas d'accord avec cette paix, en disant en même temps que non, ça ne faisait absolument rien, qu'on a vu, on a su qu'il n'était pas d'accord. En dehors de lui, je n'ai pas encore vu jusqu'à l'heure actuelle, parmi ces gens que je viens de citer, ces quelques exemples que je viens de prendre, quelqu'un dit que compresseur, comme tu as accepté être avec Fleur de Lys, hein, ça veut dire qu'avec toi, je ne suis plus rien. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu. Il y a l'autre dame là, moi je ne la connais même pas. Celle qui a les doigts brûlés, brûlés, brûlés là, qui est venue sur la toile l'autre jour. Moi, je dis les doigts brûlés, brûlés pour que tout le monde essaie de voir qui c'est. J'ai oublié son nom, hein, ou c'est Sandy, ou c'est Cindy, je ne connais plus trop. Qui est venue l'autre jour
Elle était seulement dépassée parce que Compressor a accepté. Du fait que Compressor, avec tout ce que Frélie a fait et tout, elle a répété beaucoup de choses comme ça. Comment tu acceptes? Elle n'est pas d'accord avec cette paix. Mais elle n'a pas dit qu'elle n'est pas allée plus avec Compressor. C'est un peu de ça qu'elle veut parler. C'est-à-dire, elle n'est pas d'accord avec Compressor. Elle a dit à Compressor. Mais elle n'a pas dit que Compressor, comme tu as fait ça, je n'ai pas allé plus avec toi. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu. En dehors du fait que si quelqu'un a eu à faire ça, peut-être que moi, je n'ai pas vu. On a la maman du Compressor. D'après ce que Compressor nous a dit, sa mère a apprécié. Elle a même pleuré. C'est Compressor qui nous a dit. On va mettre ça dans le cas positif. Parce que si sa mère a pleuré pour cette paix, était d'accord, ça veut dire que c'est un truc positif. Vous voyez un peu. La mère de Fleur de Lys aussi a dit qu'elle acceptait les excuses de Compressor. Donc ça, c'est dans le cas positif. On a Nivakin, on a Mini Minor, les généraux de la team PDJ, ceux-là qui ont toujours soutenu Fleur de Lys. Moi, j'ai dit ici l'autre jour, même si ces gens sont venus sur la toile dire, donc c'était le mensonge, ils ont dit ça parce qu'il fallait dire, le simple fait déjà d'accepter une seule fois en direct, même si c'est faux, c'est déjà une réussite. Parce qu'il y a des gens, quand vous êtes dans le combat, qui pouvait dire peut-être l'année dernière que Mini Minor, par exemple, qui a passé son temps à clasher Compressor, venir dire que Compressor, il fait la paix avec toi. Qui pouvait dire ça? Jamais de la vie. Ça veut dire que ce n'est même pas positif. Que ce soit orgueilleux ou pas, je ne sais pas comment vous allez qualifier ça. Pour moi, il classe ça du côté positif. Et maintenant, si ça c'est du côté positif des deux côtés, du côté négatif donc de Fleur de Lys, si on va citer les gens, on va parler de Nadège Mbapa, par exemple, qui est sympathisante. Elle n'est pas de la team PDGiste. C'est une sympathisante du côté de la team PDGiste qui a dit clairement que Fleur de Lys a fait sa paix avec Compressor. Ce n'est pas un problème pour elle. Son combat avec Compressor continue. Vous voyez un peu. Ça veut dire que jusqu'à présent, je suis toujours dans la même logique où on ne voit pas quelqu'un, que ce soit du côté de Compressor, que ce soit du côté de Fleur de Lys, qui a dit que comme vous avez fait la paix, je ne parle plus avec toi. On n'a pas encore eu ce cas sur la toile jusqu'à l'heure actuelle. C'est pour ça que chercher les conséquences négatives là, c'est un peu trop difficile. J'ai pris du temps comme ça là, pour faire la vidéo aussi depuis l'autre jour que je voulais la faire parce que j'attendais de voir les réactions avant de faire cette vidéo. Et je crois que même si demain quelqu'un sort pour faire ça, j'aurais quand même laissé assez de temps avant de faire cette vidéo. Donc Nadège Mbapa a dit qu'elle continue son combat avec Fleur de Lys. On a. Pas avec Fleur de Lys, pardon, avec Compressor. On a l'autre, la reine Galloise, évidemment, qui a apprécié, qui a célébré cette paix entre Compressor et Fleur de Lys. On a encore qui? On a encore qui, si je veux prendre un exemple. Si on parle au niveau des abeilles chez Fleur de Lys, il y a beaucoup d'abeilles. Il ne peut pas dire, je me base sur telle chose ou telle chose. Parce que. On ne connaît pas combien d'abeilles il y a. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a tellement des abeilles sur YouTube comme sur Facebook. Il y a les mêmes aussi qui sont en même temps sur Facebook et sur YouTube. Donc, c'est un peu trop compliqué. S'il faut se baser sur les commentaires qu'on a vus, et c'est aussi très difficile de bien faire la statistique. Car, quand quelqu'un passe sur Facebook, il passe sur la page de Fleur de Lys ou de Compressor, il fait l'effort de commenter positivement. Donc, tu n'es pas sûr que ça vient vraiment de son cœur. Tout simplement pourquoi? Parce que la personne a parfois peur de mal commenter. Et de se faire bloquer, que ce soit sur n'importe quelle page de ces stars Bakata d'ailleurs. Les gens ont tendance à ne pas vraiment s'exprimer parce qu'il n'y a pas ce fair play là, d'entendre comment quelqu'un vient, il parle pas à ton sens. Surtout chez la veuve, je suis pas là-bas, tu dis un truc, quand elle est en train de dire ses machins, ça n'est pas dans le même sens, sois sûr qu'elle va te bloquer. Là, c'est clair, comme les autres sont d'ailleurs, c'est la même chose. Donc, ce qui fait que se baser sur les commentaires qu'on a eu à voir sur les pages de Compressor et de Fleur de Lys, pour dire que voilà, il y a beaucoup d'abeilles, la majorité des abeilles est d'accord, voilà, c'est un peu compliqué. Mais maintenant, s'il faut aller sur les pages de la Veuve Joyeuse comme ça, pour voir comment, il y a des gens qui ont dit que tant pis, même si tu me bloques, ils ont incité la Veuve Joyeuse sur ses directs, ouais, disaient qu'elle n'est pas pour la paix, pour la paix. On peut dire en ce moment-là que vraiment, il y a la majorité des abeilles est d'accord pour cette paix-là. Mais on dit la majorité jusqu'à là. Vous savez qu'il y a des abeilles qui avaient signé l'Indien avec Compressor. Il y a des abeilles qui avaient dit que Compressor sur le fire. Que même si c'est comment, c'est mort. Mais on peut dire que ces gens de personnes sont peu.
C'est ça. Donc, ce n'est pas vraiment évident de faire ces comparaisons-là. Jusqu'à présent, moi, je peux trouver que on parle dans le sens positif. Jusqu'à présent, c'est la positivité qui domine. Ça domine pourquoi? Parce que, comme je vous ai cité, tous les gens qui sont allés à Compressor et aussi quelques personnes, vous avez par exemple vu les messages. Je n'ai pas vu un post où ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Je ne crois pas que parce que Compressor a fait la paix avec Fleur de Lys, ils vont dire qu'ils ne parlaient plus à Compressor. Parce que c'est là où ça c'est la conséquence la plus négative qui peut arriver. Donc, du fait que quelqu'un, que ce soit du côté de Fleur de Lys ou de Compressor, la personne vient dire, comme tu as fait la paix là, moi je ne vais plus parler avec toi. Ça veut dire que tu n'es pas plus dans on n'a plus les mêmes orientations, quoi. C'est un peu ça. C'est la conséquence la plus négative qui peut arriver. Et jusqu'alors, nous n'avons pas eu ça. Donc, pour moi, je peux conclure que dans les conséquences de la paix entre Fleur de Lys et le Compressor, on a beaucoup plus la conséquence positive. Parce que beaucoup de personnes qui sont soit du côté de Fleur de Lys, soit du côté du Compressor, ces personnes-là sont en train de respecter le fait que ces deux personnes ont choisi de ne plus se clasher. Et ces personnes continuent leur combat avec leurs adversaires des deux côtés en solo. En dehors, bien évidemment, des généraux de la team PDGiste qui ont dit qu'ils sont d'accord, ils ne sont plus dans ce combat. Et certaines abeilles, il y a seulement une minorité d'abeilles qui n'est pas toujours d'accord, mais ce n'est pas grave. Mais bon, chez la TKC Melody, on a aussi vu, elles ont dit qu'elles sont plus sur ça. C'est l'autre là, Mamie Boma de Fleur Adama, Carole la Douce dit bon, je crois que c'est elle qui enchaîne et qui va continuer à nous animer la toile. Nous, on est là. Si elle nous anime la toile, on va seulement prendre. On a aussi regardé la Veuve Joyeuse hier. Après avoir fait sa danse, nous montrer les fesses tournées dans tous les sens, on a bien rigolé. Et après, elle s'est assise. Elle a dit qu'elle faisait la paix avec tout le monde. On ne sait pas de quoi elle parlait. Elle dit que les gens sont fâchés contre elle. Il vous a toujours dit que la Veuve Joyeuse ne voyait pas ce qu'elle fait sur Facebook. Sur Facebook. Facebook, c'est le game. Ce qu'elle fait là sur Facebook, pas derrière, c'est pas ça. Ça veut dire qu'elle reste elle-même inconsciente. Il y a certaines choses qu'elle vient dire, certaines énormités, quand elle est peut-être fâchée et tout, mais pas derrière, elle a une conscience. Elle est venue sur la toile et après avoir dansé, fatiguée, 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 elle est venue dire que je sais que vous êtes fâchée contre moi. Alors qu'il y a quelques jours, c'est elle qui disait que faites ce que vous voulez, je m'en fiche, je ne vous gère pas. Mais c'est la vie. La vie, elle est humaine. Ça veut dire que quelqu'un constate que vraiment tout le monde est en train de faire un genre avec toi, ce n'est pas bien, on ne vit pas comme ça. Elle m'est la plus consciente. Elle est venue dire que je sais que vous êtes fâché contre moi. Donc moi, il laisse, je fais la paix avec tout le monde. Qu'est-ce que j'ai dit depuis plus de 3 jours ou quoi, là, vous connaissez comment je suis. C'était là mes dégagements. C'est ce qu'elle a dit. Donc, que ce soit vrai ou faux, le simple fait de le dire, c'est toujours une bonne chose. Donc, la Veuve Joyeuse va continuer à nous animer, le gouvernement de la joie. Donc, pour ceux qui veulent passer les commandes, les numéros sont en description. Vous voulez passer les commandes à Lungana, allez en description de la vidéo, vous allez voir le numéro de la Veuve Joyeuse. Que ce soit du genre sang de compressor, les produits FDL, tous nos stands braquettes ont un numéro de téléphone en description de la vidéo. Voilà. Donc, je crois que j'ai un peu parlé de tout ça. Et s'il y a du nouveau, hein, si quelqu'un sort et dit, voilà, moi, je suis plus d'accord avec toi parce que machin, machin, tout. Non, on va venir en parler. Hein. Ne vous dérangez même pas. Nous sommes là pour ça. On va venir en parler. On va rappeler le direct qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et on va dire, voici ce qui s'est passé. Donc, par la suite, c'est comme ça que ça se passe. Donc, retrouvez le numéro, comme je l'ai dit tout à l'heure, de tous vos produits, les produits des stands Brakata, ou bien les numéros des stands Brakata, tout simplement, en description de toutes les vidéos. Je vais aussi passer un message à Compressor, un truc que je ne comprends pas. Compressor vend les produits cosmétiques et tout et tout. Le numéro que je vois là-bas, que j'ai mis en description, je l'avais là depuis, je constate que c'est le même numéro, elle utilise le numéro là. Elle a encore un autre numéro pour les produits. Mais il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont contacté par rapport à Compressor, sur d'autres choses et aussi par rapport aux produits. Ces gens disent que ils appellent le numéro, Compressor ne prend pas le téléphone. Ces gens disent qu'ils écrivent, bon, j'ai dit n'écrivez pas parce que forcément c'est pas Compressor qui gère le téléphone là, c'est ça doit être une autre personne quand il s'agit d'écrire, de lire et tout. On connaît à ce qui se passe et elle avait à dire ça, c'est sa fille qui faisait. Bon, maintenant il faut juste appeler. Mais il y a des gens qui appellent Compressor depuis au moins une semaine déjà. Et on va les connecter. On laisse même les audios. Elles ne répondent pas. Vous êtes sur la toile, vous bavardez.
Vous voulez vendre les trucs. Ceux-là que tu parles souvent, que tu envoies les produits et c'est revenu, ou bien ceux à qui tu dis que tu vas les envoyer leurs commandes. Moi, je ne sais pas comment ceux-là ont fait pour avoir des commandes. Parce que j'ai encore vu ton direct hier. Le numéro que tu as mis, c'est le numéro que, bien évidemment, j'ai donné deux numéros à ces gens qui m'ont contacté. Il y a le numéro qui est en description, il y a un autre numéro que j'ai vu toujours sur ta page. Mais ces gens t'appellent depuis au moins une semaine, on appelle en direct, tu ne prends pas. On envoie les audios, tu ne réponds pas et les audios sont écoutés. Ces gens vont passer des commandes comment? Il y a même encore d'autres trucs que je voulais même te dire. Moi, mais j'ai essayé de t'appeler. Tu n'as même pas pris. Je n'ai pas laissé d'audio parce que moi, j'ai essayé d'appeler une fois, même en direct, en ligne directe, j'ai essayé ça. Rien. Donc, compresseur, je ne sais pas s'il y a les fans de compresseur ici qui sont proches d'elle, qui peuvent essayer de voir cette situation. Il y a beaucoup de clients comme ça qu'elle est en train de rater en même temps. Et moi aussi, il y a quelque chose que je devais faire pour elle. Il y a un business là que je devais aussi faire pour elle. Voilà. Vous ne pouvez pas être sur la table pour bavarder comme ça. J'ai toujours eu à faire les choses dans le noir sans me déclarer. Je ne vais pas citer les noms ici. Là, il y a eu à faire beaucoup de choses pour nous stands Brakata. Déjà, je peux leur donner le client pour faire la publicité. Si vous voyez les publicités sur les pages de stands Brakata comme ça, parmi ces publicités-là, c'est moi qu'on a contacté et j'ai dit, bon, voilà. J'ai à donner ici, je vais donner ici. J'ai à donner ici, je vais donner là-bas. Actuellement, c'est à Compressor que je voulais donner un marché de publicité et elle ne répond pas. Donc, je profite même par cette vidéo qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'elle nous suit aussi d'écouter ça. Et je ne sais pas comment tu fais pour bavarder sur la toile. Et il y a peut-être des contrats publicitaires comme ça où tu pourrais aussi avoir un peu d'argent pour arrêter tes poches, comme on dit là. Ça fait partie du travail et tu ne profites pas. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. S'il y a des proches de compresseur, il y a mon adresse Gmail là-bas en description. Si on m'écrit, moi je vais répondre, je réponds toujours. Et je crois que j'ai même téléphoné à l'abbé Samé. Je lui ai dit ça aussi. Voilà, que voilà, s'il a un moyen de joindre le compresseur, il y a un contrat publicitaire que je vais lui donner. Et si c'est que ce n'est pas possible, je vais donner à une autre personne. C'est juste que j'ai à donner un peu à tout le monde, je n'ai jamais donné à compresseur. En dehors du quotidien à l'élite, comme je fais souvent. Mais sinon, ça, je voulais lui donner ce contrat publicitaire. Bon, je vais seulement vous dire rendez-vous à la prochaine vidéo et portez-vous bien. Ciao, ciao.